Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous revient pour une troisième vidéo à la suite. Cette fois-ci, ça va être nos produits finis. Plutôt que d'attendre qu'on ait un sac immense à vous montrer et que la vidéo dure trois plombes, je préfère faire petit à petit et comme ça, ça nous dégage à nous aussi à la maison de ne pas avoir un tas comme ça de produits finis à vous montrer. Donc sans plus tarder, on va commencer par... Voilà, vas-y, montre. Donc, les super lingettes, comme d'habitude, Teddy Care. Et acheter des bulles. Eh bien, oui, cette fois-ci, quand j'ai voulu aller en acheter les oranges, là, qui sont les régulars, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus les sensitives, là, les bleues vertes, là. Du coup, il a fallu que je prenne toujours de la même marque Teddy Care, mais ce sont des bleus, mais là, ce sont exprès pour vraiment pour les toiles, enfin pour s'essuyer après être allé aux toilettes. Donc, il n'y en a que 60 pour 79 centimes, alors que celle-là, il y a 90 pour 99 centimes. Voilà. Ensuite, ça, on appelle ça le pich-pich. Elle dit le pich-pich et moi, je dis le pich-pich. Bref, je ne vais pas te le mettre dans les yeux. Donc ça, on l'a fini. C'est de la marque Quix. Donc c'est pour tout ce qui est multi-surface au bicarbonate. Franchement, j'en suis super contente de ce produit. C'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Je vous le recommande. Donc celui-ci est à Action. Les lingettes aussi, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est à Action. Au prix de 1,50€, je pense, un petit peu plus, je sais plus exactement. Bref. Ensuite. Un gel douche. Non, c'est pas un gel douche, mon cœur. C'est de la marque Signal. C'est un bain de bouche que j'avais acheté il y a un moment à Noz. C'était le gel liquide actif, film protecteur longue durée, expert complet. Il était très frais, il était en 500 ml, il était très très bien. On a été super super content avec nous. Attends. Vous l'excusez. Non. Ensuite, donc ça c'était une petite crème que j'avais eue, il me semble, c'était dans le calendrier de l'Avent Nocibé de l'année d'avant. Donc c'était Nocibé, les délices, les douceurs pour... Ah non, c'était même pas une crème pour les mêmes. C'était le lait pour le corps. Ça va pas bien, moi. Donc un petit format comme ceci. J'adore trop ça. Voilà. Et il sentait super bon. Il était à la pomme d'amour. J'adore ça. Ouais, si tu veux le garder pour jouer. Ensuite, mon homme a fini l'échantillon de Hugo Boss. Je ne sais même plus où c'est quelqu'un qui nous l'a. Oui, par contre, ne me le fous pas dans le pif quand même. Pourquoi? Ben, parce que. Ensuite, je me suis fait la couleur. Refait la couleur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je suis quand même plus claire. C'est parce qu'on avait refait, alors là c'était un blond doré cendré, le 8-31, donc de la marque Garnier Eolia, n'importe quoi, Garnier Eolia. Donc j'avais les cheveux, ça devait faire à peu près ça, et on n'en est quand même pas super loin, donc assez contente. C'est vrai que c'est une très très bonne marque, parce qu'au final... pour des couleurs aussi claires, je ne les prends pas Action parce que ça ne fait pas l'effet escompté. Tout ce qui est les couleurs assez foncées, là il n'y a pas de souci, vous pouvez. Mais pour tout ce qui est clair, quand vous avez les cheveux relativement foncés, je ne vous les conseille pas parce que ça ne les colore jamais correctement. Tandis que franchement, cette marque, elle est chère, c'est vrai, mais j'en suis vraiment super contente.
parce que vous les avez à... Alors, à Auchan, elles sont à 9 euros et quelques. Et il me semble qu'à Inter, elles sont à 8 euros et quelques. Donc, c'est bon, c'est un euro de... juste 1 euro de moins. Mais en fait, c'est toujours ça. Donc, n'hésitez pas. Cette marque est vraiment super bien. Et du coup, ça, c'est le masque que vous avez donc dans la coloration. Qui est... Il sent super bon. Il vous laisse les... Les cheveux, mais super doux. Il est vraiment très très bien. Et ce qui est bien dans ces produits-là, c'est pas comme justement à Action, vous avez juste un petit sachet dans la coloration pour faire un masque. Là, vous en avez au moins pour 4 à 5 fois de, pour vous faire un masque. Donc franchement, je trouve que vous en avez quand même pour votre argent. Donc très très contente. Ensuite, ça c'est quoi ça? Du gel. Non. Regarde. C'est un déodorant à papa. Ah oui. C'est un déodorant donc à mon homme. C'est de la marque que vous trouvez à Auchan. C'est Cosmia. Oui, Cosmia Men. Donc déodorant sport. Il sentait relativement bon. C'est pas mon préféré, loin de là, mais il était pas mal. Disons qu'on voilà, on avait que ça sous la main, donc il avait acheté ça l'autre fois. Et voilà. Donc, en 150 ml, il en est plutôt content. Il avait fini aussi le déo brut. Que celui-là, il le prend généralement. Quand on le trouve, on le prend Action. Parce qu'il a 1,89, il me semble, Action, quelque chose comme ça. Et celui-là, il est vraiment, il l'adore, il le déglingue à chaque fois. Il est en 200 ml. Et celui-là, il sent trop bon. Ensuite, un déo à moi, anti-trace du petit Marseillais. Donc, c'est huile essentielle de sauge. Il sentait super bon. C'était un roll-on, habillé, pardon. Maman, il peut jouer avec. Voilà, voilà. Et il était en, attends, en 50 ml. Celui-ci, je l'avais pris. C'était un lot, il me semble, à Auchan. Ou à Noz, je ne sais plus. Bref. Ensuite, ça, c'est un... C'est mon homme qui l'a utilisé. C'est un... Après shampoing. Mais ne le mets pas dans le nez comme ça. Ouais, c'est un après shampoing de la marque Dove que j'avais pris à Noz, que j'avais payé 1,99€ les 250 ml. Et il sent super bon. Vous voyez, c'est pas cette vidéo. Non, mais sérieux. Non, mais après, quand je. Là, je m'en rends compte, mais des fois, c'est quand j'ai tourné, enfin, que je suis en train de monter ma vidéo, que je vois les grimaces, les yeux levés au ciel, qu'elle fait la bébête à côté, enfin bon bref. Arrête, tu vas étirer ton pyjama. Donc voilà, il en a été content, donc parfait. Ensuite, un lait pour le corps, que celui-là je regrette de l'avoir fini. Mais alors, il était super bien, il hydratait, mais un truc de malade. C'est de la marque Le Petit Olivier, que j'avais trouvé ça à Noz à 2,99€. Donc c'était un lait pour le corps réparateur au beurre de karité en 250 ml. Il est terrible. Franchement, celui-là, si j'avais su qu'il était aussi bien, j'en aurais pris deux. Parce que autant il y a d'autres laits pour le corps, ils sont de bons, mais franchement, ça hydrate rien du tout. Autant celui-là, mais alors, il pénétrait bien. Il était vraiment très, 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 très bien. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé, quoi. Et il m'a fait un moment, hein, parce que je m'en mets à chaque fois, après chaque douche. Je peux vous dire que j'en ai eu pour un moment. On n'est pas à faire ça, Emma, s'il te plaît. Vas-y, montre ça. C'est un shampoing. Oui, c'est ça. C'est un shampoing, donc de la marque Dop. Un shampoing au citron. C'est ça. En 400 ml, on avait acheté ça à Auchan. C'était une promo, il y en avait deux. Mais arrête de tout sentir, mon sang. Donc, on les avait payés, il me semble, 2 euros, les deux, qui sont quand même de 400 ml. Et ils sentent super méga bon au citron. Les Dop, je les aime beaucoup, que ça soit shampoing ou gel douche. Plus gel douche, mais... vous savez, ça sent le citron, mais comment dire ça, pas chimique, le citron, quoi. Bon, bref.
Ensuite, un gommage pour le corps de la marque Miss Europe Spa à la framboise grenade. Donc, c'est une fabrication française. J'avais trouvé ça à 11 à 99 centimes en 150 ml. Ça fait son job, c'est pas... Les graines n'étaient pas très très gros. Ça exfoliait, mais bon, j'ai connu plus exfoliant, on va dire. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, un petit de la marque Schwarzkopf. Alors ça, c'était Anne Claire, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Un abonné qui lui avait acheté ça. Je pense, hein. Got to be, donc collé serré, cire coiffante, il en a été super content. C'était en 75 ml et vraiment celle-là, elle était vraiment super méga bien. Donc si mes souvenirs sont bons, que c'est toi Neuclair qui a offert ça, merci beaucoup parce qu'il en a été super content. Bref, ensuite, une douche gommante, ça une fois de plus, ça c'est mon homme qui l'a utilisé. Ben oui, il n'y a pas que les femmes qui font des douches exfoliantes, il y a aussi des hommes. Donc le petit Olivier, donc douche gommante à l'huile d'olive, donc en 200 ml. Et là aussi je l'avais trouvé à 11 à 99 centimes, il en était super content. C'est vrai que là, le petit Olivier, j'aime le petit Marseillais, le petit Olivier, c'est des valeurs sûres pour moi, je trouve. Dove aussi, Dope. Ensuite, j'ai fini avec très grand regret ma crème Dr Pierre Rico Chrono Active, une tuerie. Franchement, les flacons déjà sont juste canon, moi je trouve. Ils sont vraiment trop trop beaux. Et en plus de ça, elle sentait super bon, cette crème. Et elle pénétrait bien. Alors je précise que là, je n'ai pas plus de partenariat pour l'instant avec Dr Pierrico, donc ce n'est pas pour leur faire proprement de la pub. C'est pas eux qui me le demandent, c'est moi qui leur en fais. Franchement, ces produits Dr Pierrico, j'en suis mais extrêmement ravie. C'est vraiment de la très très bonne marque, de très bons produits. Je vous les conseille. Et c'était en 50 ml, il me semble. Non, 40. 40 ml. Et pour finir, mon produit fétiche, mon produit chouchou de chez Action, c'est le produit anti-tache pour les vêtements. Il est canonissime, il est génial, ça enlève quasiment toutes les taches. Franchement, depuis que je l'ai, il y a peut-être une tache, et encore je ne sais pas, qui m'a résisté, mais sinon tout part avec ce produit. Évidemment, à mettre avant le lavage. Si vous avez peur parce que la tache est bien imprégnée, n'hésitez pas à mettre un petit peu dans le tambour et dans le truc de lessive là, pour accentuer la chose. C'est vraiment très très bien. C'est en 250 ml. Attends. Oui, et là, attention, alors ils ont raison, avant l'utilisation, appliquez à un endroit peu en vue pour voir si le tissu ne se décolore pas. Parce que quand même, comme c'est justement assez puissant pour enlever les taches, que ça ne décolore pas vos vêtements. Voilà, voilà. Non, mais celui-là, on l'a montré aussi. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me redire pour ceux qui ne l'auront pas mis sous la première vidéo qu'on aura fait dans ce trio de vidéos. Si vous voulez donc un petit tour vite fait en vidéo de notre pièce et de la salle avec au loin entre guillemets. Et ma chambre aussi. Oui, sa chambre aussi, oui, parce qu'il y a quand même ses collections Hello Kitty et tout ça. Et princesse, donc je vais faire le fil, voilà, filmer vite fait de loin, pas en détail les collections,
Donc n'hésitez pas à me le mettre en dessous de cette vidéo en commentaire. Sinon, ben, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On a atteint les 1900. Merci du fond du cœur. Maintenant, l'objectif est d'arriver à 2000 autant que possible. Donc ça fait 100 abonnés à peu près. Avant septembre, que ça fasse les 3 ans de ma chaîne, donc n'hésitez pas à partager un maximum pour me faire de la pub, s'il vous plaît. Ça serait cool pour nos 3 ans d'atteindre les 2000 abonnés. Comme je dis, pour certaines, 2000 abonnés c'est pas grand chose. Pour nous, déjà 1900 c'est énorme, alors 2000 ça serait Saint Graal pour nous. Donc, et essayez de nous aider au maximum, ça serait cool. Et si je pouvais les avoir avant mon anniversaire, pour mon anniversaire le 9 août, ça serait vraiment là aussi le top. Mais bon, ça serait déjà bien au mois de septembre, hein, on va pas... Mais ça serait encore mieux au mois d'août. Bref, même avant. La fille qui essaie de grappiller un peu. N'hésitez pas à envoyer une petite carte pour Emma. Si ça peut vous faire plaisir, elle, bien évidemment, ça lui fera... Oui. Un plaisir fou, voilà, je pense qu'elle vous a grillé les tympans. Sinon, que dire, donc vous avez tous nos réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye, bye, bye.